Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du Ciel Bleu Astrologie. Je suis ravie de vous retrouver. Cela fait quelque temps que je n'ai pas publié et je suis ravie vraiment d'être présente avec vous pour cette nouvelle lunaison. Alors voici, je vous fais part tout de suite sans plus attendre des résultats de mon travail et des impressions que j'ai pu retirer de cette carte du ciel qui, somme toute, est assez ténébreuse. Je dois dire, et en même temps je relève ni plus ni moins ce qui a pu être trouvé par mes confrères et consœurs astrologues, même si nous n'avons pas tout à fait la même vision de l'astrologie. Pour ma part, je préfère, dans le travail qui m'est proposé de faire ici par les réseaux sociaux, je préfère accentuer, lors des lectures des lunaisons, les choses qui sont dans notre quotidien. On va dire accessible et compréhensible. De manière à ce que vous puissiez voir comment ça se rapproche, comment ça se colle à ce que nous vivons. C'est important que vous puissiez faire les liens plutôt que d'être directement mis sur un cheminement je dirais de développement personnel qui est faussé par une occultation des difficultés que vous pouvez rencontrer. Comme si les choses étaient toujours faciles ou que faciles. Elles peuvent l'être, oui, si à un certain moment donné, il y a des choses qui se mettent en place. Et je ne crois pas que les choses soient ainsi pour tous et pour toutes, puisque ben, sinon nous n'en serions pas là au niveau national, au niveau international. Nous ne serions pas dans une situation à être en proie à autant de mystères sombres et de souffrance. Alors, sans plus attendre, donc, je disais, cette conjonction Soleil-Lune qui nous ouvre le bal de la lunaison du mois d'octobre se fait à 21 degrés 08 minutes du Taureau, pardon, de la Balance, c'est le deuxième signe donc sous l'égide de sous la maîtrise de Vénus. Donc la Balance, c'est le signe du mois social, c'est le septième signe du zodiaque qui se trouve juste en face du premier. Et le premier, vous savez lequel c'est le bélier. Nous avons donc là toute une expression qui va partir d'une interrogation qui va être à découvrir, à explorer, avec Mercure qui vient juste caresser cette conjonction solilunaire à 17 degrés. Un nœud sud conjoint également dans le signe de la Balance, et puis ce groupe qui s'installe dans la Balance vient tout juste d'être quitté par la planète Mars elle-même, maîtresse du Bélier. Donc nous avons Mercure qui est dans le signe de la Balance et Vénus qui est maître de la Balance est en réception mutuelle avec Mercure puisqu'elle séjourne dans le signe de la Vierge. Alors cette Vénus qui va chapeauter tout ça, elle est en chute dans le signe de la Vierge. Elle est dans un signe de terre, un signe féminin certes, mais elle est quand même fortement restreinte, assombrie, un peu comme toutes les femmes qui se désespèrent de voir ce monde évoluer avec des hommes qui ne veulent que la guerre et qui guerroient et qui ne sont que dans la violence. Ou tout simplement avec le féminin qui est escamoté par la violence du masculin. Est-ce que nous aurions aussi à dire directement sur la présence de cette conjonction solilunaire, est-ce que nous n'aurions pas aussi à révéler tout de suite que elle s'installe dans le signe des axes lunaires? Les axes lunaires, c'est le nord, le sud, et comme on le sait depuis quelque temps, le nœud nord qui nous indique la direction à prendre sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de se porter haut vers le ciel et en même temps de s'incarner plus profondément dans la terre, eh bien ce nœud nord est porté par le bélier qui nous demande d'agir à la conquête de notre individuation, à la conquête aussi de nos espérances, de notre vision d'un monde meilleur. Et c'est dans une direction d'individualisation et d'individuation que nous devons mener notre barque. Le nœud nord va nous donner donc cette direction, mais il est accompagné
d'une épée, on va dire, qui n'est pas très, d'une présence qui n'est pas très heureuse, puisqu'il est accompagné d'Eris. Eris, c'est une planète, naine, mais pourtant qui est plus grosse que Pluton et qui fait sa révolution du ciel en 500 ans et qui nous dit que dans la mythologie, elle vient poser la question à Vénus, à Aphrodite, elle vient poser la question à l'assemblée donc des dieux, elle vient demander qui est la plus belle. Et là, toutes les femmes en présence s'interrogent et Aphrodite n'est pas seule, elle est accompagnée d'autres présences féminines, d'autres beautés. Et c'est pour départager un petit peu tout le monde, Zeus demande à Paris de déterminer qui sera la plus belle. Alors je vous laisse vous reporter au mythe qui va certainement vous parler et vous faire votre avis sur ce mythe. Vous verrez que de celui-ci, de toute façon, on s'aperçoit que les conséquences de l'histoire vont être lourdes, comme dans toutes les histoires de la mythologie. Et ensuite, on dira que la guerre de Troie aura bien eu lieu. Voilà. Maintenant, reprenons notre histoire contemporaine avec Vénus. Vénus, aujourd'hui, celle qui pourrait nous laisser entendre qu'on peut trouver un accord, un équilibre, une harmonie, une entente, et non pas nous situer dans la discorde, eh bien, nous demande de prendre en compte tous les facteurs de discorde. Et ces facteurs de discorde, ils sont en face. Ils sont en face dans le bélier, et ça veut bien dire que dans le bélier, en plus de cela, il y a Chiron qui vient encadrer cette Eris avec le nœud nord. Chiron vient nous dire, mais de toute façon, il y a une blessure au départ, il y a quelque chose qui est souffrant. Donc c'est forcé que cette Eris, elle vienne rapporter une énergie, on va dire, de colère, d'agressivité et de manifestation d'une rébellion, d'une protestation. D'autant plus que celle-ci est appuyée par le nœud nord qui va amplifier la chose et en plus de cela par un carré très soutenu, même un T carré, hein, puisqu'il y a une opposition avec Mars, cet Eris va être soutenu par la conversation qui a lieu entre, je dirais même l'union qui a lieu entre Mars et Pluton, qui eux sont aussi en carré. Et on sait en géopolitique, en astrologie mondiale, que ces planètes-là, ce sont des planètes de guerre, sont des planètes fortes, qui vont donner une intensité de violence, qui vont donner une intensité de brutalité, de négation de tout ce qui peut être humainement entendable. Donc, voyez-vous, les choses s'installent dans un climat de guerre, dans le ciel astral aussi, et on vient nous dire que l'origine, ce à quoi on doit réfléchir, puisque Mercure nous invite à prendre en compte cette réflexion dans la diplomatie et dans la prise en compte des éléments, de tous les éléments, eh bien c'est un Mercure historique qui doit être déclaré. Un Mercure qui va nous amener à comprendre les bien-fondés de chacun des protagonistes et à remonter peut-être à une histoire qui a pu être occultée, qui a pu être controuvée, qui a pu être dissimulée aussi, pour comprendre que, il n'y a pas de fumée sans feu et que si aujourd'hui la fumée est sombre, c'est parce que il y a derrière cela beaucoup de ténèbres et beaucoup de souffrances. Nous avons donc Chiron qui représente cette blessure et qui dit que de toute façon, le moi social représenté par la balance, qui n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui puisque nous sommes au XXIe siècle encore avec des foyers de feux de guerre dans le monde, l'Ukraine, ensuite la guerre au Proche-Orient. Nous avons donc une souffrance parce que ce moi social n'a pas pu être respecté, parce que tout simplement les processus d'individuation n'ont pas été correctement intégrés dans les humains. Dans la plupart du temps, les personnes ne savent même pas ce que ça veut dire et la plupart du temps, ils ne s'inquiètent que de leurs propres intérêts égotiques. Du coup, tout le travail qui a été fait depuis les années 70 à l'apparition de Chiron a porté ses fruits, certes, mais ce n'est pas suffisant. Alors, comme ce n'est pas suffisant, et qu'à l'époque de l'apparition de Chiron, on était donc dans la découverte de cet astéroïde, et on a commencé à parler des blessures intérieures, des blessures de l'enfant intérieur, aujourd'hui,
Nous sommes donc en 2003, le 14 octobre, et bien c'est le week-end, ou c'est au cours du mois d'octobre, que la NASA va envoyer une sonde explorer une autre astéroïde qui s'appelle Psyché. Voyez. Donc c'est une astéroïde qui est tout au fin fond de l'univers et qui va nous permettre de découvrir de nouvelles ressources à exploiter. En même temps, sur Terre, on est quand même en train de s'interroger, les maîtres d'œuvre de la géopolitique sont en train de s'interroger sur qui va détenir comment dire, les droits d'exploitation dans l'espace. On n'a pas assez conquis sur Terre et dominé les peuples et les contrées. On est en train maintenant de s'empoigner autour des tables pour déclarer qui sera le plus fort pour pouvoir maintenir la lutte ou la conquête, oui, des ressources stellaires, des ressources d'énergie, bien sûr. Alors cette psyché qui va être explorée, elle vient quand même en miroir nous dire, ben voilà, peut-être que pour comprendre votre fonctionnement en tant qu'humanité, eh ben, il va falloir aller un peu plus loin. Un peu plus loin, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, donc il va falloir aller un peu plus loin dans notre être intérieur pour comprendre comment nous avons pu en arriver là. La carte du ciel nous donne des indices. La carte du ciel, elle nous donne quand même un Mercure qui, une conjonction solulunaire qui est conjointe au nœud sud. Alors vous me direz, mais on en a déjà parlé moult fois du nœud sud. Oui, tout à fait, en astrologie, tout le monde en parle. Mais que fait-on par rapport à ça? Que fait-on? Est-ce que nous sommes très souvent, régulièrement, en train de travailler sur ce que contient ce nœud sud dans notre propre thème astral? Est-ce que nous travaillons lorsque nous allons en séance chez un thérapeute ou dans une collectivité, des réunions, etc. Est-ce que nous interrogeons sur ce que nous portons comme information en nous-mêmes, comme mémoire, comme qu'est-ce qui nous agite, qu'est-ce qui nous anime? Voilà, c'est ce que va contenir ce nœud sud. Et ce nœud sud, il va s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément liées à notre vie, à nous, mais ce nœud sud va être constitué de toutes les mémoires déjà akashiques pour l'humanité, hein, les mémoires de tout ce qui s'est passé au cours des siècles, quelle que soit l'histoire qui puisse y avoir, même s'il y a des cycles dont on ne se souvient pas, même s'il y a des cycles qui nous ont été cachés, on a suffisamment à faire en matière historique pour déjà comprendre que les dernières guerres sont toutes récentes et que depuis on n'a pas vraiment évolué. Voilà, donc à ce niveau-là, on est déjà certain d'avoir un petit ressac et un nœud sud bien rempli. Ensuite, bah, qu'est-ce qui nous concerne? Ce qui nous concerne, ce sont les mémoires engrammées par nos lignées familiales, les lignées donc qui sont contenues qui sont inscrites dans l'arbre généalogique, qui sont inscrites dans notre arbre familial, qui viennent des mémoires émotionnelles, qui viennent constituer la plupart de nos souffrances et de nos schémas de répétition d'aujourd'hui. Et j'ajoute de nos pilotes clandestins. Parce que la plupart du temps, nous agissons pensant agir en libre arbitre, mais les trois quarts du temps, nous sommes agités, manœuvrés, animés par des choses qui sont inconscientes. Nous fonctionnons par répétition, au même titre que les cycles dans la nature, nous fonctionnons inconsciemment par répétition. Et ces mémoires-là sont inconscientes, d'où la petite histoire avec Psyché. Maintenant, si ce Mercure vient nous aider à peut-être à réfléchir à qu'est-ce que le moi social, comment nous pourrions trouver dans nos ressources et nos mémoires peut-être un souvenir de choses à ne pas reproduire, de limites à se donner, peut-être que ça pourrait nous rendre service pour comprendre que, avant toute chose, c'est le moi social qu'il faut respecter, mais le moi individuel. Il est important, lorsque l'on est dans une pleine mesure des valeurs vénusiennes, de rencontrer les autres en se disant que l'autre est un autre nous-mêmes. Donc, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, ben, c'est à nous de les travailler pour que ça puisse être valorisé d'une façon positive. Et en même temps,
ça permet de ne pas nier la valeur négative qu'on peut accorder aux choses. Ça permet de réunir les parties qui se séparent, les parties qui ne sont pas encore réunies. Ça permet de leur apprendre à vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, le plus difficile pour les individus, eh bien, c'est peut-être quand, à cause des excès de l'un ou de l'autre, eh bien, il y en a un qui part un peu plus à la conquête et l'autre qui a le sentiment de peut-être de ne pas pouvoir exister aussi. Hein, ça peut être ça. Ça peut être tantôt j'en fais trop pour exister, tantôt ben, en existant comme ça, ben, je ne tiens pas compte de l'autre. Il y a des écueils comme ça qui vont se retrouver. Et le plus souvent, eh bien, le bélier doit prendre conscience de l'autre, autrement dit de la balance, même si il y a un conflit. Et la plupart du temps, dans nos vies, il s'agirait, au moment de cette lunaison, de reconnaître ce qui est souffrant. C'est la seule façon de ne pas renchérir l'égrégore de la guerre. La seule façon pour pouvoir apporter de la paix, c'est de mettre de la conscience dans ce que nous vivons nous-mêmes de souffrant dans le rapport à l'autre. Est-ce que nous sommes dans des relations de soumission, dans des relations de dominance, dans des relations de rejet? Est-ce que nous sommes dominés ou nous dominons les autres? Voilà, il faut voir à quoi nous sommes assujettis, aussi bien au niveau individuel dans nos couples, dans nos relations aux autres, que dans notre constitution du moi social, dans notre personnalité, au travail, dans la vie sociale. Toutes ces choses sont à prendre en considération et à amener peut-être à quelque chose qui va nous permettre d'avoir un meilleur respect. Ici, le nœud nord nous donne le chemin, c'est le respect des autres qui font que même si on hésite à prendre une décision, par exemple, ou même si on hésite à s'affirmer parce qu'on a des idées ou des façons de faire ou de penser qui sont différentes, il faut quand même se respecter, il faut quand même essayer d'affirmer son potentiel tout en se sentant soutenu et guidé par la vie, par la nature, par la propre confiance et la propre foi en soi. Ça, c'est important. Et dans cette lunaison, c'est peut-être la chose, lunaison, et j'ai envie de dire tout le temps, c'est la chose à retenir si on veut commencer ce cycle qui va durer toute l'année jusqu'au prochain cycle en bélier. Voilà. Ici, donc pour que l'équilibre et l'harmonie soient dans nos vies maintenues pour les pays et les personnes qui sont en paix dans des contextes dans lesquels nous sommes encore privilégiés, il est important de penser que de toute façon, il y aura des conséquences sur tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas rester, même si bien sûr on est tenté d'avancer, qu'il y a les deux plateaux de la balance et que si la guerre est dans un plateau, si nous avons la chance d'être dans l'autre plateau, ben, l'équilibre va se trouver. C'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner tout le temps, puisqu'il y a toujours une réponse face à ces énergies-là. Et que si les deux plateaux doivent trouver l'équilibre, c'est par un travail personnel de chaque partie. Donc aujourd'hui, le blocage, il est puissant parce que cette Vénus, elle n'est quand même pas dans la pleine expression d'elle-même. Elle est en plus en opposition avec Saturne. Saturne est rétrograde, il est encore très fort. Et il nous demande aussi enfin, il nous oblige à ressasser, à être dans une fermeture, dans quelque chose qui a trait à ce qu'on a pu faire par le passé. Hein, donc c'est quelque chose qui peut provoquer encore plus de colère pour Mars, qui va agir, lui, dans un esprit de destruction, clairement. Il va se laisser prendre par les chevaux de la colère et il va entraîner Pluton dans quelque chose de violent. Alors, je vous invite à écouter les podcasts d'un astrologue que j'aime beaucoup, qui est Monsieur Pascaud, Fabrice Pascaud, qui a sa chaîne sur YouTube et qui explique très bien le ciel, les ciels actuels de la nouvelle Lune et aussi de la situation en Israël et qui explique aussi l'importance de ces conjonctions, de la conjonction dans le ciel d'Israël, de Mars et de Pluton. Donc c'est intéressant de retrouver tout ça parce qu'il n'y a pas de hasard, il y a simplement des progressions et des choses qui viennent se mettre en place au moment de l'horloge cosmique. Par rapport à l'injustice qu'a pu subir
dans sa conquête de légitimité de territoire qu'a pu subir la Palestine, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose maintenant qui est de l'ordre de la vengeance. On est sur une réponse de vengeance. Et c'est soutenu par Eris, comme on le disait tout à l'heure, qui, elle, apporte la pomme de la discorde et qui vient encore conjurer tout ça. Donc, c'est un combat qui peut être porté par un idéal très ancien, hein, qui a été préparé, qui a été nourri. La vengeance, elle n'arrive pas comme ça. On dit que c'est un plat qui se mange froid. Et la froideur, nous risquons de la retrouver dans quelques jours. Lorsque certains transits se seront passés, nous aurons très certainement encore des épreuves à vivre de ce côté-là. Ce qui appuie mon discours aussi, c'est que nous avons aussi l'ouverture d'une période sombre qui s'ouvre à nous, qui va durer un certain temps, et je crains que cela dure au moins jusqu'à ce qu'il y ait, d'autres transits qui viennent sur Pluton, et que nous ayons la conjonction Jupiter-Uranus qui va peut-être amener une libération quelque part. Puisque la conquête, elle est soutenue par un désir profond de mettre en avant le respect du désir, justement. C'est ce que Eris nous apporte ici. Et puis, vous savez, on a quand même dans ce Mars-là, on n'est plus sur un Mars. Un Mars grec, on n'est plus sur un Mars romain, on est sur un Mars grec qui va apporter toutes ces lunes, c'est-à-dire les lunes de la crainte et de la terreur, représentées dans la mythologie par Déimos et par Phébos. Donc là, ici, c'est le cocktail gagnant, on va dire, pour que tout soit généré dans un tableau sombre et dans un tableau de terreur. Alors moi, ce que je vous invite à faire peut-être pour conjurer et surtout faire remplir l'autre plateau de la balance, bien sûr, si vous le pouvez, c'est de bien rester enraciné à Gaïa et d'apporter tout le soutien et tout l'amour à Gaïa en vous reconnectant à cet espace saint, hein, qui est votre corps et qui est la terre, et en amplifiant vraiment toutes les bonnes énergies que vous pouvez partout où vous êtes. Et puis c'est en vous connectant aussi, en vous ancrant au cosmos, en vous laissant porter par votre moi supérieur, ça c'est important, puisque là on nous demande de sortir de ces archétypes de violence. Donc du coup, pour cela, vous pouvez vous aider à des rituels qui vous feront plaisir, mais aussi j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous proposer un petit rituel qui vient tout droit de la mythologie, hein. Je ne sais pas par qui il a été inventé, mais en tous les cas, il a certainement sa valeur et déjà ses adeptes. Et là, pour le coup, ça serait bien peut-être d'écrire tout ce que ces conflits génèrent en vous, toute la colère qu'il peut y avoir en vous par rapport à ça, de l'écrire et de la mettre dans un pot de bronze. Oui, c'est le bronze qui va permettre d'accueillir tout ça. Et cette matière-là va pouvoir transformer par la suite. On pourra ensuite, au bout d'un certain temps, et le chiffre qui est donné, le chiffre 13, donc peut-être que pendant 13 semaines, pendant 13 jours, pendant 13 mois, il serait bon de mettre tout ce qui vous vient et de sortir de vous cette colère et cette violence aussi, cette agressivité qui peut être générée par l'injustice, par le choc aussi, par tout ce que nous avons à subir par rapport à ce que nous avons à voir aujourd'hui dans notre monde. Ensuite, que faire de tout cela? Eh bien, ça sera à vous peut-être de faire une libération avec tout ce que contiendra cette coupelle, ce pot, ce réceptacle. Et puis ensuite, vous pourrez nettoyer tout cela, que ce soit par l'eau, par le feu ou par les prières. Eh bien, vous pourrez aussi, par la terre, vous pourrez aussi transformer tout ça. Voilà ce que je vous propose de faire, chers amis. J'espère que ces petites informations vous seront utiles et qu'elles vous permettront de réfléchir que finalement, si chacun d'entre nous
Revoyons un petit peu notre posture au quotidien, là où nous sommes, à l'endroit où nous sommes, parce que bien sûr, chacun où nous sommes, nous avons notre petite part de colibri à jouer, à manifester, et bien nous pouvons apporter de la paix, de la lumière, de l'amour, et puis en même temps, au lieu de dire non à ce qui est, dire oui à ce qui devrait être, et dire oui à ce que nous voulons voir, dire oui au meilleur, et nourrir ce meilleur en accueillant. En comprenant qu'il faut nettoyer toutes ces mémoires akashiques, nettoyer toutes ces, transformer toutes ces mémoires qui nous appartiennent tous, puisque nous sommes tous issus de l'histoire. Nous sommes tous des enfants de l'histoire. Et puis, avant de vous quitter, je vous dirais que l'espoir qui est donné par cette carte du ciel, quand même, j'ai envie de vous dire que d'une part, il y en a deux pour moi. Alors, je me réfère beaucoup ce soir à la mythologie, mais voilà, je vous dirais que Zeus préfère toujours à Mars sa sœur Athéna. Donc, Athéna, il est fort possible qu'elle soit donc en présence d'énergie positive pour nous, sachant qu'elle est maîtresse de la balance et que et ben, finalement, elle nous demande quand même de prendre en compte les capacités, les qualités de la balance et les vertus de la balance, même si elles sont pour l'instant que cérébralisées, il ne faut pas qu'on perde notre nord, il ne faut pas qu'on perde notre idée de respecter l'individu, de respecter l'humain, respecter plutôt que de faire la guerre et plutôt que de répondre par la violence. C'est aussi une invitation à aller sur la communication non violente. C'est aussi une invitation à comprendre ce que c'est que la communication, pour mieux comprendre la communication non violente. C'est aussi tout ça. Et puis, en dernier point, je vous dirais que Pallas Athéna, qui représente, en termes d'astéroïde, toute l'intelligence supérieure qui englobe les plans de conscience pour les humains, eh bien, cette Pallas Athéna est aussi en balance. Elle est aussi dans la maison 7 et dans la maison de l'autre. Ça veut bien dire que nous avons quelque chose à comprendre dans ce qui se joue de cet axe conjoint donc au nœud lunaire, dans cet axe bélier, balance, balance, bélier. Voilà, je terminerai par ces deux astéroïdes. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages. Merci aussi pour le fait de vous abonner, de laisser vos commentaires. Cela fait toujours plaisir et puis c'est encourageant. Et puis si vous souhaitez me contacter pour davantage de précisions en lien avec votre thème ou des questions précises ou des études plus approfondies, vous pouvez le faire en me contactant directement ou en allant sur mon site, c'est comme vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture et vraiment je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de santé et puis tout le meilleur, tout le bien pour vous. À bientôt.